Bonjour, ici Marcel Paul-Raymond, directement du club de golf Rideau View, dans la banlieue d'Ottawa, à Manotick. Je suis avec le gagnant de l'édition 2014 du tournoi Alexandre de Tunis, qui s'est tenu ici pour la première fois de l'histoire, Vincent Blanchette, qui a remporté le tournoi. Vincent, au 17e trou aujourd'hui, normal 4 de 305 verges, accessible avec le coup de départ. Est-ce que tu t'es fait une petite chaleur? Non, ben écoute, j'étais déjà moins 4 dans ma game, puis j'ai bien frappé toute la game, puis là j'ai décidé de prendre driver puis d'essayer, puis j'ai complètement fait une mauvaise swing. Ça a résulté un double, mais bon, je suis quand même content de la manière que j'ai joué. Donc Vincent, une ronde de 70 aujourd'hui, finir avec la normale pour deux rondes. Il était talonné par Stephen Frisch, qui est le frère de Brad Frisch, qui sont des pionniers ici à Rideau View. Maintenant, parlant de Rideau View, qui est la première fois que les amateurs jouent ce parcours, parle-nous un peu du terrain ici. Moi, à chaque fois que je joue ici, j'adore ça. On avait joué un CN Future Links quand j'avais 16 ans. Puis, c'est vraiment une super belle track. Cette semaine, on a été bien accueillis. Terrain en parfaite condition. Puis, on ne peut rien demander mieux pour continuer. Et tes admirateurs savent que tu es un excellent joueur de hockey. On va parler donc de ta carrière. Ouais. Comment tu concilies la carrière de hockey et de golf? En ce moment, j'ai arrêté le hockey par exemple. J'ai décidé vraiment de me concentrer au golf. Là. J'ai fini mes années junior 3A. J'avais joué junior majeur à 17 ans, mais là, je suis vraiment rendu golf. Bravo. Et parle-nous donc tes prochains rendez-vous. Où est-ce qu'on va te voir dans les prochaines semaines sur un parcours de golf en compétition? Oui, je vais être au Duc de Kent. Alors, David, tous les amateurs, venez voir du bon golf au Duc de Kent en fin de semaine prochaine.